Oui, on se qualifie. One. Salut tout le monde, c'est Nasactu. On va regarder une story de Mohamed Denis et après je vous dirai mon avis au sujet du match Algérie-Cameroun, Cameroun-Algérie. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Two, oui, on se qualifie. One, two, oui, on se qualifie. One, two, oui. Voici la pelouse du stade Japoma au Cameroun. Je pense que nous savons que l'Algérie n'a pas fait une bonne compétition et ils veulent montrer quelque chose. Mais ce n'est pas ici qu'ils vont le... Ça y est, on y est. Aujourd'hui, c'est le jour le plus important de l'histoire de l'Algérie après l'indépendance de l'Algérie. Les gars, c'est les barrages. Pourquoi on appelle ça les barrages? C'est quand tu perds, tu te barres et t'as la rage. Oula, les gars! Et un petit message pour les joueurs algériens. Ne soyez pas complexés! Ne soyez pas complexés, bordel! On est plus fort que le Cameroun! La vie de ma mère, les gars! Les lions indomptables! Les lions insupportables! Oh, je peux pas me les voir, ils sont là, ils nous provoquent, alors qu'ils ont aucun palmarès! Oula! Palmarès du Cameroun, on est arrivé en quart de finale de la Coupe du Monde en 90. Oula, ils ont que ça. Les gars, je vous le dis, ce soir, ça sera pas le Cameroun, ça sera le Cameroun. Oula, on va les calmer, les gars, on va les refroidir. Oula, le Cameroun, c'est Cancun. C'est facile, les gars. Algérien, vous pouvez aborder ce match sereinement. L'Algérie, c'est l'Alger favori. Oula, on est favori. Et en plus de ça, il n'y a pas Bounedja, les gars. Oula, oh, Dja. Il n'y a pas moyen, Dja. Oula, il lui a dit, Belmadi, il n'y a pas moyen, Dja. C'est Bel lui a dit, il lui a dit. Va garder ton Hanout, va vendre des 40K, va vendre des décodeurs, mais t'as pas ta place en Algérie, les gars. Donc là, à la CAN, ils avaient une excuse, les joueurs algériens. Ouais, il y a Bounedja, ouais, il fait chaud, ouais, il y a des trous dans la pelouse. Là, je vous... On m'en parle de cette pelouse, les gars, Japoma. Incroyable, quoi? Pourquoi? Je croyais qu'on avait marqué. On s'en fout de la Tunisie, tout le monde s'en fout. Mais il n'y a personne qui regarde. Voilà, même leur famille regarde l'Algérie, les gars. Voilà. Et remets-nous le match, là. Allez, 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 allez! Oui! Ah! 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 One, two, three! On se qualifie! One, two, three! On se qualifie! Regardez-le, lui! Regardez-le! Voilà, les gars! Le monde est prévenu! La planète Terre est prévenue, les gars! L'Algérie arrive en Coupe du Monde! Vous allez voir un maillot dans tous les terrains. Vous allez voir un Algérien suspendu dans les projecteurs en haut. Vous croyez vous débarrasser de nous? Jamais! Jamais! On sera toujours là en Coupe du Monde. Oh là là, les gars, Slimani. Oh là là, Van Distelrooy, les gars. Voilà. Eh hey les gars, ça y est, ramenez l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie. Non, l'Italie sont éliminées. Ramenez tout le monde! Zéro qui? Il y a son prénom, il y a zéro, les gars. Oh là! Zéro qui? Les zéros, et c'est qui? C'est qui, les gars? C'est fini l'époque des Camerounais, des Wayne Rooney, l'époque de Samuel Eto'o, c'est fini! Leur meilleur joueur, c'est Vincent Aboubakar, les gars. Il travaille au consulat. Il travaille à l'ambassade. Oh là, Douala, les gars, je vous le dis. Le Cameroun, le calme, Roun, calmez-vous, c'est le premier round, et déjà c'est une rouste, le Cameroune, oh là les gars, ils sont où? Ils sont où les Camerounais? Oh là, je cherche les gars, ils sont où? Y'a pas? Y'a pas? Y'a pas? Y'a pas? Je vois pas où. Merci Jamel, merci Javel, Javel Belmadi, t'as nettoyé l'équipe à la Javel, regardez sans Bounedja, y'a tout qui va les gars, oh là que c'est vrai.
C'était Bounedjah le problème de l'équipe. Il joue contre nous. C'est un espion qui a été envoyé pour couler l'Algérie, les gars. Ce patron de Hanout. Allez, va garder la caisse. Voilà, va vendre la crème. Va vendre des 40K. Va vendre du chemin. Et nous rend pas fous, Bounedjah. Allez, voilà, les gars. Là, j'y crois à fond à la Coupe du Monde. Là, j'y croyais plus avec Bounedjah, les gars. J'étais pas bien. Je me disais, comment on va faire pour gagner? Là, ça y est, les gars. Ça y est, la planète, l'univers, la galaxie, la voie lactée est prévenue. Voilà toutes les planètes. La championne du monde, l'Algérie favori. Voilà les gars, avec l'équipe de France. La vie de ma mère vous parle sérieux. Et là, c'est pas le cœur qui parle. Non. La France et l'Algérie en finale. Voilà les gars, je vois ça. C'est les deux meilleures équipes du monde en ce moment. C'est pas moi, c'est les chiffres, les gars. Voilà. Cameroun, c'est Cancun. C'est les vacances en claquettes, en tongs, on les bat, les gars. Regardez, ils nous ont mis des bâtons dans les roues. Ils nous ont encore fait jouer dans leur pelouse. Leur pelouse, là, Japoma, tu peux faire pousser des pieds de bœuf dessus. Tu peux faire pousser du maïs. Voilà que c'est vrai. Ça fait jouer l'Algérie dans une pelouse où il y a plein de cratères. Et après, ça se dit, frère, il n'y a pas de problème. Faites jouer l'Algérie sur ce stade de Japoma. Faites-les jouer sur les cratères de la Lune. Faites-les jouer sur de la lave. Faites-les jouer sur de la neige. Faites-les jouer sur de l'eau. Wallah, on gagnera toujours, les gars. Là, vie de ma mère, on gagnera toujours. L'Académie des jeunes Algériens, ça vous dit rien, les gars? Pieds nus, les gars. Ça y est, il y a le beau temps qui arrive. Il faut que je prenne soin de moi. Il faut que je mette mon corps à l'abri. Regardez, j'ai rien qui va avec des... Que vous allez sur... On peut faire... Les trucs en bas des objectifs, là, je suis là pour que moi ça fait que je suis un peu. Vous êtes pas au monde. Abuser les. Matiras, abuser les conditions de jeu au Cameroun, les gars. Voilà, en plein match, les projecteurs ils s'éteignent. En pleine conférence de presse, le micro il se coupe. Voilà, c'est quoi ça, les gars? La vie de ma mère. Oh, dans les cages, il n'y a pas de filet. L'arbitre, il n'a pas de sifflet. Voilà, chaque faute, il doit siffler avec ses doigts. La vie de ma mère, il y a un ballon pour tout le match. Il n'y a pas de ballon de remplacement, les gars. Voilà, c'est incroyable. C'est quoi ces conditions de jeu? Il n'y a même pas la VAR. La VAR au Cameroun, c'est un Samsung. Voilà, c'est un mec qui filme avec son téléphone. C'est incroyable, les gars. Voilà. Ils ont tout fait contre nous. La pelouse, Japoma, ils ont mis l'arbitre qu'on déteste. Tout, et malgré ça, on gagne quand même, les gars. Ils vont faire quoi? Voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont crever le ballon? Qu'est-ce qui va se passer encore, les gars? Voilà. Ah, ça m'étonnerait pas, les frères. Hein. Voilà, le son, il va se couper. Vous allez voir en plein match, les gars, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, les gars. Non, mais sérieusement, c'est plus Japoma, c'est la Chouma. C'est la Chouma quand même. On est où là? On est en district ou quoi, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est. Air de misère, j'ai peur, les gars. On se dégage. Allez, allez. La contre-attaque. Incroyable. Incroyable. Les DBZ. Les DBZ, il a vu. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qui devant? Le match pourrait durer une semaine. Tout à l'heure. Allez, contre-attaque. Contre-attaque. Allez, allez, l'Algérie. Allez, magnifique. Va au bout, va au bout. Belaïli, qu'est-ce que t'as, Belaïli? Incroyable! Incroyable! Plus 11 minutes. C'est les prolongations. Entre première les mi-temps des prolongations. La TV est en bon état, je vais pouvoir regarder la France jouer. Quoi qu'il est, même pendant les victoires, il les casse des fois, les télés. Cameroun vs l'Algérie, débrief, l'Algérie envoie un message à toute la planète. Donc, grosse félicitations à l'équipe nationale algérienne et tunisienne qui se sont imposées 1-0 chacune. Et félicitations aussi pour la bonne opération du Maroc en République démocratique du Congo, où ils ont été menés tout le match sur terrain synthétique avec beaucoup de vent.
Un pénalty loupé pour le Maroc, mais un partout, ce n'est pas une mauvaise opération, vu que s'il y a 0-0 au match retour au stade Mohamed V, et ben, le Maroc se qualifie. Donc, et actuellement, je regarde, il y a l'Égypte-Sénégal, donc l'Égypte qui mène toujours 1-0 contre le Sénégal. Donc, c'était un but contre son camp de Saliou 6. Donc, c'est les qualifications pour la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar. Et c'est important parce que c'est la première fois qu'il y a une Coupe du Monde dans un pays arabe. C'est la première fois qu'il y a une Coupe du Monde organisée dans un pays musulman. Donc, les pays musulmans seront comme à domicile, on va dire. Même si ça se jouera en décembre, il fera très chaud en décembre au Qatar. En général, il fait assez chaud. Comme on peut voir à Dubaï, il fait assez chaud même l'hiver. On voit les influenceurs d'ailleurs, les influenceurs de Dubaï qui sont en t-shirt short en plein mois de décembre. Voilà, il fera pas vraiment frais. Donc c'est peut-être une Coupe du Monde importante. C'est peut-être une Coupe du Monde très importante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt. Pour de nouvelles vidéos, merci d'avoir regardé. C'était Nasactu, premier sur les actus, sport, influenceur et humour. Non, non, non! Non, non, non!